Attention, effet spécial, travelling horizontal, bonjour. On va parler des impôts dans l'appel trop con du jour avec une question essentielle. Comment on va faire pour délationner des gens avec les impôts à la source? Parce qu'après, on ne pourra plus dire qu'ils ne payaient pas leurs impôts. Donc j'en profite maintenant et je balance un agriculteur qui, évidemment, n'a rien demandé. Attention, sortie verticale. Oh, oh. Je vais arrêter le... Voilà, top. Allô ? Bonjour monsieur, c'est bien l'exploitation agricole ? Oui. Je me suis permis de faire croire aux impôts que vous dissimulez des revenus. Bah non, mais dans quel but vous faites ça ? Bah ça me permet de toucher une prime pour délationnisme. Puis nous, un jour, on va se faire contrôler, c'est nous qui vont se faire toper. Bah c'est ça, c'est vous qui vont se faire toper, parce que vous, vous allez faire semblant de faire une fraude. Ah bah non, pas d'accord, hein. Pourquoi ? Ah bah, eh oh, vous prenez vos responsabilités. Ah bah je les ai prises en vous délationnant. Ah bah, c'est un peu facile ça. Bon, on va aller à la police et puis c'est tout. Ah bah non, ce qu'il faudrait, c'est que vous faites semblant de fraudifier. Mais on va rien fraudifier du tout. On est agriculteur, on a déjà zéro pointé. Alors c'est nous qui vont être pénalisés parce que monsieur, il veut pas payer des surprimes. Ah non, c'est pas ça, c'est que moi je vais la toucher la surprime. Bah justement, vous allez la toucher, puis nous on va payer parce que nous on a soi-disant fraudé. Et vous trouvez ça normal, vous, bien sûr. On est dans une société de nos droits, oui. Non mais après, ce sera amorti, j'imagine, dans vos frais. Ou... Amorti de quoi? Vous êtes pas gonflé. Bah non, parce que vous voyez. Ah bah non. Ah bah les agriculteurs, ils fraudent. Ah bah oui, c'est bien connu, bah oui. Vous, ça vous coûte rien, vous voyez. Mais ça nous coûte rien, vous en savez rien du tout. Moi, je vous connais même pas. Moi, j'ai dit que vous aviez planqué 2 millions, en fait, en liquide. Ah bah oui, ah bah, qui plus est, 2 millions, c'est rien, hein. Bah quand même, 2 millions, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, mais pour nous, non, mais 2 millions, vous vous rendez compte, non? Moi, je me rends compte que quand même, pour moi, c'est une certaine somme. Mais hein. Est-ce que vous écoutez que nous, on non, a... mais ce que je veux dire, bon. C'est que moi, 2 millions, je les ai pas tous les jours, mais vous voyez. Personne Non mais 2 millions d'euros, non mais vous vous rendez pas compte. Donc ce qu'il faudrait, c'est dissimuler un peu de liquide chez non, vous. Non, on ne dissimule rien, nous. On n'est pas des fraudeurs, on n'est pas des voleurs. Non mais vous faites juste semblant. Attendez monsieur. Ah bah une autre dame. Là il y a quand même quelque chose qui est grave quand même. Vous occupez pas, vous prenez un nom comme ça au hasard et puis pour toucher une prime derrière, bah c'est quand même grave là votre truc je pense. Grave non, je dirais que c'est du débrouillardisme. Bah oui bah attendez, mais tout le monde fait pareil, personne payera d'impôts à ce moment-là. Mais dissimuler, mais attendez, mais moi j'ai pas envie d'aller en prison pour vous quand même. Ah non, alors normalement vous allez pas en prison. Ah non mais attendez, mais vous êtes grave là quand même. Non bah attendez, moi j'appelle mon collègue, il va venir, on va être tous les deux là. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bonjour madame. Non, je suis... Ah, c'est le collègue. Je veux pas perdre mon temps avec vous, hein. Non, mais c'est vite fait. Vous planquez 2 millions chez vous. Vous me prenez pour un rigolo, quoi. Je parle pas de 3 semaines, non? Non, mais vous prenez pour qui, là? Allez, dégagez. Non, mais vous, ça vous coûte rien du tout. Mais, vous vous faites pas chier, d'accord? Est-ce que c'est clair? Non. Est-ce que c'est clair? Bah non, c'est pas super clair. Mais vous avez compris ou quoi? Bah j'ai compris que c'est pas hyper clair quand même. Non, mais je crois que vous avez pas compris. Alors dégagez, d'accord? Parce que alors là, je vais me fâcher, ok? Ce serait dommage, vu qu'on est associés dans cette combine tous les deux. Combine, mais je m'en fous de la combine, moi je vais pas te vous chercher, hein, j'ai du boulot, je suis professionnel. Alors venez pas m'emmerder, d'accord? Je vous rappelle plus tard quand même? Ne rappelez pas, hein. Non, mais. Conseil, alors... ne rappelez pas, ok? On peut dire dans une demi-heure. Ne rappelez pas! Parce que je vais te faire une tête au carré, moi, tu vas voir. Ok? Parce que si je m'occupe de ton cas, tu vas voir. Dans ce cas, on dit dans une heure? Non, c'est pas... espèce de tête de nœud, va. Ok, donc évidemment, je le rappelle immédiatement. Oui, allô, là? Oui, rebonjour, madame. Je vous rappelle comme convenu. Vous rigolez ou quoi? Vous avez rien compris? Vous venez de rappeler. Bon, espèce de pollueur. Tu n'as pas marré de con? Ah, ça, je peux vous garantir que ça fait des années que j'ai commencé, je vais pas arrêter d'être con aujourd'hui, hein, ça, c'est sûr. 2 millions, c'est rien, hein. Quand même, 2 millions, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Non, mais 2 millions, vous vous rendez compte, non? Moi, je me rends compte que quand même, pour moi, c'est une certaine somme. Mais est-ce que vous écoutez que nous, on a... Moi, 2 millions, je les ai pas tous les jours, mais vous voyez. Mais personne les a tous les jours. Non, mais 2 millions d'euros, non, mais vous vous rendez pas compte. Bonjour, c'est Martin de l'Appel Trop Con de Rire et Chanson. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, bonne nouvelle, il y en a encore plein d'autres à regarder. C'est-à-dire qu'il y en a là, il y en a là, il y en a pas là, mais il y en a là. Là, enfin bon, il y en a partout. Et puis au passage, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Rire et Chanson. Hein ? À bientôt ! C'est pas tactile, hein, ça s'arrête pas ton... Comment je fais pour...